Wesh, can, pêche, wesh. Ah, j'avais oublié le A. Oui, mes intros n'ont plus aucun sens, mais c'est ce que vous aimez, donc bah, voilà. Ok les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo totalement what the fuck. Aujourd'hui je vais manger une glace. Et non, c'est totalement faux, vous avez vu le titre. Minecraft, mais tous mes crafts se multiplient à l'infini. Ou une connerie comme ça, mais je sais pas comment je vais appeler en vrai. C'est encore un concept de tapel, donc je pense que ça va être what the fuck à souhait. Et puis voilà, on s'amuse, on est bien là, voilà, hein, tranquille. Ah, oh. Ah bah, vous avez vu le machin qui est à côté de moi? Pouah, il vient d'apparaître comme ça, là. Attendez, bougez pas, je vais juste cliquer dessus. Et ouais, les gens, maintenant, je me fais carrément livrer mes tridents. Donc vous mettez un like sans je vous fume. Ok, maintenant que je vous ai menacé, maintenant que j'ai expliqué, c'est parti! Alors, chose à noter, j'ai spawn sur une île dans un biome canyon. Ouais, là, en ce moment, ma chance, elle part vraiment dans tous les sens, mais bon, hein. C'est pas grave, c'est pas plus mal, en vrai, j'ai des bâtons à l'infini. Bon, que je vous explique le plugin d'aujourd'hui. Pour ce faire, j'ai besoin de bois. Oui, y a du bois, là-bas, y a du bois. Le poisson m'avait mal regardé, c'est pour ça que je l'ai tapé. Ok, dans ce plugin d'aujourd'hui, tout se passe avec le craft. En gros, à chaque craft que je ferai, tout sera multiplié. Ce qui va devenir très vite bordélique. Par exemple, voilà, je viens de crafter une table de craft, bah j'en ai deux. C'est tout con, voilà, c'est des trucs comme ça. Par exemple, je vais crafter des bâtons, et bah j'en ai 12. Et quand je vous dis que ça va vite devenir bordélique, c'est que ça va très vite devenir bordélique. Bon, vas-y, on va se faire du stuff basique, on va se faire une pioche, bam, bah j'ai 4 pioches, génial. Bon, en vrai, je suis quand même tombé dans un biome nul, mais c'est pas si grave. Faudrait que j'arrive à me trouver. En vrai, si j'arrive à trouver de l'or, je peux faire des pommes en or, hein. Bah oui, parce que si je crafte une pomme en or, bah j'en aurai 17 milliards. Ok, là, il y a de la stone, on va la prendre, hein. Non, mais en vrai, ce genre de challenge débile, c'est vraiment les meilleurs. Je sais pas quoi vous dire, hein. C'est juste les meilleurs, hein. Ok, on va se crafter du stuff en pierre, on va se barrer d'ici. Let's go, j'ai déjà 6 épées et 5 pioches. En vrai, c'est la merde de spawner dans ces biomes-là. Oh, voilà, pour aussi, je voulais spawner ici, il y a 1 milliard d'or. Il y a 1 milliard de creepers aussi. Allez, allez, c'est bon, ouais. Ah ah, vous allez exploser. Voilà, mourrez. Mais pourquoi il y a 1 milliard de mobs? Je veux juste récupérer de l'or. Oh, il m'a donné une patate, il est sympa. Oh, vous avez vu ce qu'il y a là-haut? Il y a un truc de ouf là-haut. Je crois qu'il y a un portail du Nether, mais je suis pas sûr de ouf, mais on va aller voir. Let's go, regardez-moi ça. Une pelle fortune, c'est vrai que c'est ultra utile. Par contre, il y a du fer, et ça c'est bien. Oh, mais même ça, même... Mais attendez, j'ai du fer à l'infini là. Parce que regardez, je mets tout en pépites de fer, et avec les pépites de fer, bah je fais des lingots. Oh mon dieu, j'ai du fer à l'infini, c'est vraiment cheaté. J'ai déjà un stack et demi de fer, oh là là, le bordel hein. Ok, le seul problème pensant c'est la bouffe, vu que j'ai spawn dans un endroit nul, bah j'ai pas de nourriture quoi. On va juste récupérer, mais arrêtez les mobs, pourquoi y a 1 milliard de mobs? Ok, on va juste récupérer l'or ici, ce qui va vraiment me servir à faire des pommes en or, donc bon, au final ça va être cool. Et puis on va se barrer d'ici, parce que c'est nul ici. Ah! Ok, je me barre d'ici. Vraiment, si vous aimez ce genre d'idées débiles, dites-le moi dans les commentaires et mettez des likes, hein, parce que je peux en faire plein. Mais vraiment beaucoup. Donc dites-le moi et puis bah je verrai en fonction de vos commentaires. Et je suis arrivé dans une plaine, donc ça c'est vraiment cool. Allez, je dois vite trouver de la bouffe, s'il vous plaît, de la bouffe, de la bouffe. Mourez pour mon salut! Le bruit d'un cochon qui meurt, ça fait pas un bon bruit en fait. Ok, bon, au final, je voulais me faire un four. J'en ai fait 15. Pas de ma faute, c'est à cause de la multiplication des crafts là. On va essayer d'aller fumer le Nord Dragon, je pense, dans cette vidéo. Je sais pas si je vais arriver, mais qui ne tente rien à rien. Vu que je vais avoir de l'or à l'infini, ça va être plutôt facile de choper des underperles. Donc c'est pour ça qu'on va y aller en fait. Regardez la strat, on met ça en lingots. Et avec les lingots, on fait des blocs. Oh, mais attends, c'est encore plus facile avec des blocs au final. Bah voilà, maintenant j'ai 11 blocs, je peux littéralement multiplier à l'infini mes blocs en fait. Voilà, j'ai un stack et demi d'or, ça va, c'est pas beaucoup hein. Je peux en foutre autant que je veux sur le sol, j'en ai rien à faire. Ok, donc, bah là il me faut de la bouffe, c'est surtout ça qui va être le plus chiant au final, parce que maintenant l'or je peux en faire à l'infini. Ah, il m'a fait peur ce con, arrête de gueuler comme ça frère. De toute façon je vais me barrer d'ici, hop, je prends 2-3 fours, pas, faut pas déconner, je vais pas en prendre 17. Oh, mais c'est-à-dire c'est la même chose avec le diamant, il faut que je trouve du diamant au final. Vas-y, bah une grotte c'est parti, let's go. Ah, actuellement à la recherche de diamant, mais je trouve que de l'émeraude. Oh oui, il y a de la redstone, de l'XP. Bah y'a du diamant. Ok, s'il te plaît, il m'en faut 9. Bah j'en aurais pas 9, mais voilà. Donc là il manque 3 diamants et c'est finito. Qu'est-ce que tu veux le creeper? Vas-y explose, tu me butes pas. Il m'a fait 0 dégâts, littéralement. Là-bas il y a une sorcière et j'aime pas comment elle me regarde. Ah mais il y a un creeper. Oh mais il y a 2 creepers, ok, je voulais la buter, on va éviter. Le gang des creepers il s'est ramené et je me suis dit oh nope nope nope. Oh putain, j'en cherchais depuis 5 minutes là, ça commence à m'énerver. Ok, donc là littéralement j'ai assez de diamants. J'en ai 11, c'est pile ce qu'il me fallait. On va remonter et puis ce sera bon. Allez, on remonte, c'est parti. J'entends de l'eau, donc je suis bientôt arrivé, je suppose. J'ai bien dit je suppose. Ok, c'est un mineshaft? Oh, jure, je suis retourné dans le biome Mesa, mais c'est un mineshaft. Oh, bah, il y a pile la sortie, let's go. Je suis quand même accueilli comme un roi. Ah ok, ouais, je suis accueilli comme un roi, là, ouais, vraiment, hein. Je m'y attendais pas. En vrai, plus j'y réfléchis et plus je me dis que c'est logique qu'il y ait des mineshafts dans les biomes Mesa. Ok, donc il faut se barrer de ce biome Mesa parce qu'il commence à me saouler. Et on va aller dans le Nether, hein. Le diamant, on en fait des blocs. Donc là, normalement, j'aurais 1 milliard de blocs. J'en ai 20. Let's go, c'est plutôt pas mal. On les remet en diamant. Et puis voilà, on peut se faire un stuff. Oh, c'est le bordel dans mon stuff, j'arrive plus à gérer.
J'ai une émeraude, donc c'est plutôt pas mal aussi. Hein. Je vais garder des blocs de diamants, et puis je pense que ça ira. Hein. Tu peux me donner une pomme, s'il te plaît, l'arbre, ça serait sympa de ta part. Oh putain, un bloc de diamant me donne 4 stacks de diamants, c'est abusé. J'ai 64 épées en diamant, tout va bien. Hein. Oh, yes, une pomme. Et ben voilà, c'est parfait, c'est bon. Je suis full stuffé, là, je pense. Ça marche encore, les pommes cheatées en or? Ah non, ça marche pas, la tristesse. Pareil, on va faire des pommes cheatées, voilà, j'en ai 33. Ça suffit largement. Bon, partons à l'aventure, on va dans le nether, là. Donc faut que je trouve un lac de lave, et puis on sera plutôt good. C'est parti. Bon, en vrai, ça fait 10 minutes que je marche, ça me saoule, je vais miner en plein milieu, et puis voilà. Faut que je trouve une grotte, et ça ira après, quand j'aurai une grotte. Mais il faut que j'arrive à trouver une grotte, salut. Oh mon dieu, heureusement que j'étais stuff en diamant. Bon bah voilà, moi qui voulais de la lave, j'en ai trouvé. Ah ça me fume, j'ai de la chance sans en avoir, c'est abusé quand même. Hein. Il est où mon seau d'eau? J'avais fait un seau d'eau, voilà. On met le seau d'eau ici. On va faire le portail juste à côté, let's go, allez c'est parti. Un jour j'apprendrai à faire le portail nether comme tous les pros le font là, mais je suis trop nul pour ça pour l'instant. Ok, j'ai bientôt fini, on va pouvoir aller dans le nether. Paf, voilà, le portail a été fait. Normalement si je suis pas un nulos, j'ai récupéré un silex, c'est bon j'ai le silex. Je vais utiliser mes 17 tables de craft. Putain, ça me fait mal, mais je vais devoir jeter un stack d'épées en diamant. Ok, déjà j'y vois un peu mieux. Le briquet est là, j'en ai 35, donc ça devrait suffire. On va dans le nether. Ah, j'ai pas spawn dans un bon nether, moi, ce que je vois. Mais non, mais c'est le pire spawn du monde. Oh là là. Ok, donc c'est bon, j'ai réussi à me barrer du truc. Parfait, il y a des piglings. Attendez, parce qu'il me faut un petit peu d'or. Bon, voilà, bon, un petit peu, je viens d'en faire 5 stacks, mais c'est pas grave. Eh les petits potes, venez, je viens vous lancer de l'or en fait. Youhou, regardez. Y'a plein d'or. C'est bon, vous avez donné des underpearls, vous, là? Wesh, mais donnez des underpearls, s'il vous plaît. Ok, donc j'en ai 3, il m'en faudrait 9. Je vais faire ça jusqu'à temps qu'il m'en donne bah, ce qu'il me faut, quoi. Ok, j'ai 18 underpearls, je pense que ça devrait suffire. Donc, pour les buter, je vais faire un truc marrant, parce qu'ils m'ont quand même saoulé. Bougez pas, hein, bougez pas, hein. Bouge pas. Tiens, sale nulos, va. Non mais oh, tu touches pas à Ninjax. Sinon je te fume. Ok maintenant faut que je trouve une forteresse, c'est parti. Je me déplace en enclume. Ça me fume. Oh là là. Alors attendez, parce que je fais des conneries avec mes enclumes, mais attendez, je vais prendre de l'XP quand même pour prendre mes bottes moi. Bah oui, si j'ai pas d'XP, bah j'ai pas mes bottes et moi j'ai bien envie d'avoir mes petites bottes. Donc on va tranquillement vite fait faire ça. Est-ce qu'il y aurait pas. Oh je sais pas pourquoi, je sens que là-haut. S'il vous plaît, je cherche. Voilà, parfait. Je cherche. Bah une forteresse. Bah merci. Hop là, mes petites bottes, c'est bon, c'est parti. Ok, j'ai eu de la chance, maintenant faut trouver des blazes. Bah parfait, il y en a devant moi. Et d'ailleurs, quand j'y pense, un seul bâton de blaze suffira, vu que quand je vais le mettre en poudre, bah ça me donnera un milliard de trucs. Donnez-moi des bâtons de blaze. Merci. Parce que regardez, si je le mets ici, bam, j'en ai 64, ce qui est largement suffisant. Et le truc, c'est vu que je suis pas allé très loin, je sais où est mon portail. Y a qu'à suivre les enclumes, en fait. Si je ne dis pas de conneries, mon portail devrait être par là, je pense, environ. Mais il y a une forteresse juste là. Et mon portail, il est où? Attends, il est où mon portail? Mais mon portail est juste là. Donc, juste à côté de mon portail, il y a une forteresse. Oh, j'ai le démon un peu. Si j'étais parti dans l'autre sens, j'aurais trouvé bah, la forteresse directe. C'est pas si grave, on se barre d'ici. Allez, ciao. Oh, mais c'est dire aussi, je vais avoir un milliard d'œil d'under, là. Parce que regardez, j'en mets une et j'en mets un. Boum, j'en ai 40. Allez, c'est parti, on y va, c'est par où? C'est par là-bas. Ah, ça mène en arrière. Ok, c'est bon, c'est par là. Tu sais quoi, on va miner en mode... Bah, en mode, bon, on s'en fout comme ça, là. Et si je tombe dans la lave, bah, j'ai des pommes en or, donc on s'en fout. Oh, mon Dieu. Eh, bon, alors là, bon. Meurs, toi, merci. Alors, je sais que j'ai de la chance, mais s'il vous plaît, mais pas 3 fois, me faites pas spawn ici 4 fois. Bah, attendez, on va remonter, on va péter ça. Voilà, nickel. Toi, viens ici, tu vas mourir. Bon, bah, j'ai de la chance, j'ai spawn pile dans le... Bah, pile dans le portail. Bon, avant de rentrer dedans, je vais me faire des flèches en vite fait, quand même, faut pas déconner. Et c'est dans un mineshaft, en plus, génial. On va sécuriser la zone avec des enclumes, comme ça, personne pourra venir me faire chier. Voilà. Bon, on va quand même mettre des vrais blocs ici, faut pas déconner. Après, j'ai 30 flèches spectrales, je pense que ça suffira pour détruire le truc. Vu que je suis un thug aussi, j'ai vraiment envie juste d'y aller comme ça, hein, pour faire genre je suis trop fort et tout. Donc on va faire ça, on va juste y aller comme ça. Hein. Je récupère juste mon petit seau d'eau là, voilà, nickel. J'ai besoin de vous les araignées pour me faire un arc là. Ok, j'ai 42 arcs, je pense que ça devrait suffire. C'est parti, let's go. Bon, c'est pas la première fois que je viens de fumer, petit Thunder Dragon, donc laisse-toi faire et puis voilà. Bon, imaginez, là, je remonte et boum, je vous mets juste le coup final. Ça serait pas un peu chiant quand même? Ok, c'est ce que je vais faire. Bon bah c'était soit le coup final, soit moi qui meurs et il m'a poussé dans le vide. Donc bah voilà. Ouais. Bon les gens, cette vidéo était quand même extrêmement cool à tourner, même si je suis mort d'une façon ridicule, c'est-à-dire être poussé par l'Under Dragon. Je vous avais dit, j'allais juste mettre l'image de soit moi qui le tue, soit moi qui meurs. Donc bon bah je suis mort. C'était Injax, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les gens.